Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre patience et bienvenue à la table ronde photographie et musique fusion des territoires. I'll just say a quick word in English. We are going to mainly speak in French, but if you need translation, you have headphones back there, and the other way around works also if you need, in any kind of languages, if you need translation from French to English or English to French, get the headphones. Et donc je vais débuter du coup cette table ronde en français et je vais peut-être débuter par une petite confession. Cette discussion est à considérer comme un petit laboratoire, un laboratoire à ciel ouvert ou un laboratoire devant la Tour Eiffel, où on peut même considérer comme un petit forum. Il s'agira d'expérimenter, de questionner. Et c'est donc pour ça que je vous inviterai à participer à la fin de la table ronde et à partager avec nous vos questions. Je disais donc un laboratoire à ciel ouvert, car j'aimerais cet après-midi partager avec vous des réflexions qui m'occupent en filigrane depuis un moment. Alors, excusez-moi, j'apprends comment fonctionne cette chose. Excusez-moi, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que on peut m'expliquer comment fonctionne la petite manette, s'il vous plaît ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne la petite manette, s'il vous plaît ? Merci. La technique n'est pas avec nous aujourd'hui. Super. Donc, c'est comment ? Et le retour ? Would it be easier if you sat here? No, 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 it's fine. Sorry, what? Okay, okay, okay. 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 Merci beaucoup. Donc, je recommence. Dans un ouvrage qu'il publie en 2000, Édouard Saïd révèle son approche de l'écriture en contrepoint. Cette écriture musicale classique repose sur l'idée d'une superposition des lignes mélodiques distinctes. Le contrepoint est un élément essentiel pour l'obtention d'une polyphonie dans le domaine musical. En lisant l'universitaire, théoricien littéraire et critique palestino-américain, je me suis d'abord demandé si une écriture en contrepoint pouvait être envisagée lorsque l'on écrit sur la chose visuelle. Et puis je me suis demandé si l'écriture avec la lumière, soit la photographie, pouvait elle aussi être une écriture en contrepoint. Non pas dans l'idée de compliquer nos conceptions du médium, mais dans l'idée de concevoir une pratique photographique mettant en lumière une diversité de voix, une multiplicité d'expériences, une variété de témoignages. Le tout pour souligner l'hétérogénéité des pratiques photographiques, bien sûr, mais aussi la possibilité de voir apparaître une symphonie visuelle. Suite à cette réflexion initiale, je me suis demandé ce que la musicologie, plus largement, pouvait nous proposer pour penser les images et les pratiques photographiques. Je me suis donc lancée à la quête de liens, de relations, de similitudes, de corrélations ou affinités entre la musique et la photographie, l'idée étant de penser la photographie avec, auprès et à travers la musique. De faire se rencontrer l'oreille et l'œil. De faire dialoguer les sens quand il s'agit de produire, mais aussi de regarder la création photographique. Un drôle de jeu s'est offert à moi quand j'ai réalisé qu'on parlait de la cadence, du rythme et du tempo d'un editing, ou encore quand on analysait la composition d'une photographie, que le sujet ou le contre-sujet d'une scène photographiée était appelé par les Bartésiens le punctum et le studium, que l'instrumentation chez eux est le dispositif chez nous, que l'instant décisif est l'expression authentique d'un musicien et de son instrument, qu'on remarque l'harmonie et la forme d'une photographie, mais aussi qu'on observe un mouvement ou un motif dans l'œuvre d'un photographe, que l'improvisation ou le bœuf sont essentiels aux photographes qui travaillent avec le réel, que ceux-ci même se baladent. Que l'image appropriée d'un collage est un sample, qu'un riff est une répétition ou alors une série photographique, qu'il y a des sons composés artificiellement, créés artificiellement,
ou des photographies mises en scène, mais aussi que des sons ou des bruits environnementaux et des photographies d'un instant. Donc, premier bilan, la fréquentation d'un domaine et de l'autre est importante. Mais revenons donc un instant au contrepoint de Saïd et à la polyphonie que celui-ci permet. Je vais détester cette petite manette. Tu veux que j'essaie? Je suis voilà. Et proposons donc une question. Si la musique semble être dans l'ombre de la photographie, que peut la fabrication des images à la lumière de la multiplicité des cultures? Il semblerait que la musique a toujours pris la liberté d'un droit à raconter, l'hybridité des sons comme le résultat de l'hybridité des cultures. Je me permets de mentionner... Excusez-moi. Je me permets de mentionner l'afrobeat, l'afrohouse, l'afrotrap ou encore le bongo slava, la bossa nova, le dub, l'ethio jazz, la jungle ou le R&B, pour n'en citer que quelques-uns. Il s'agira là d'un mélange d'un ici et d'un ailleurs pour créer un tiers espace musical. Ainsi, pourquoi pas imaginer la fusion d'un ici et d'un ailleurs pour créer des tiers espaces photographiques ou pour produire un cosmopolitisme vernaculaire comme celui... d'un cosmopolitisme vernaculaire, comme le dirait Omi Baba. Nouvelle question, pouvons-nous élargir le registre sensoriel de l'image pour percevoir des images produites dans un contexte diasporique? Pouvons-nous voir les contradictions des cultures vécues, des cultures apprises, comme un atout à la pulsion créative? Ainsi, musique et photographie peuvent être considérées comme des médiums, mais aussi dans le sens d'intermédiaires qui passent de la centralité d'un pays aux marges d'un autre et portent en elles la possibilité d'un récit, de rencontres et de cultures. C'est notamment de cette fusion des cultures dont le 12e numéro du magazine The Eyes, intitulé B-Side Photography Afropea Fusion, ce numéro a été conçu en collaboration avec l'écrivain et photographe Johnny Pitts, qui se trouve juste à ma gauche. Originaire du nord de l'Angleterre et né d'angles de cultures africaine-américaine et britannique, son travail s'interroge sur l'interaction des cultures noires et européennes, comme le révèle notamment son ouvrage photolittéraire Afropéen, carnet de voyage au cœur de l'Europe noire. Les séances de travail pour l'élaboration du magazine ont révélé que pour Johnny, la musique est un élément central d'inspiration, mais aussi une manière de penser sa pratique photographique, comme vous pouvez lire dans son essai publié dans le numéro intitulé « Spectre et texture ». Naturellement, les échos se sont faits nombreux. Parallèlement, la publication de la série « Périphérique » de l'artiste franco-algérien Mohamed Bourissa, qui se trouve du coup à l'extrémité gauche, aux éditions Loose Joints, me replonge dans les références musicales de l'artiste allant de Booba à Arsenic, de Expression Directe à I Am. Tous prennent la liberté de raconter cet espace interstitiel de l'expérience des déplacés et des damnés. Ainsi, il s'agit d'une intuition confirmée quand je regarde les images de la série Insular, de la photographe franco-caribéenne Cédrine Chédig, au milieu, qui a réalisé à Malte une série où les nouvelles diasporas africaines sont en train de se créer. Et Cédrine m'a confié que la musique jouait un rôle clé pour elle dans le processus de rencontre avec la communauté et tient une place importante dans la récréation d'un chez-soi sur l'île des nouveaux exilés. Ainsi, pour approfondir ces sujets, je vous propose de me tourner vers eux et de parler de musique et de photographie en suivant trois temps. La musique comme influence, inspiration et impulsion. La musicalité comme endroit de création visuelle et de pratique photographique, mais aussi la musique comme vecteur de réception et de lecteur des images. Donc peut-être qu'on pourrait partir d'une citation que j'aime beaucoup, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fred Morton, qui dans un livre qu'il publie en 2003, qui s'intitule In the Break, qui demande quel est le son qui précède l'image. Et du coup, j'aimerais me tourner vers vous tous les trois et vous demander quels sont les sons qui précèdent vos images, c'est-à-dire quelles sont les références musicales qui, à un moment donné, vont venir stimuler votre pensée et votre création. Johnny, on peut peut-être commencer par toi, si tu veux. Oh, yes. OK. What is the sound that precedes the image?
I suppose the obvious thing to say to begin with is hip hop, you know, which is for me the sound of my generation. And I'm thinking about Roy De Caraba and his collaboration with Langston Hughes, The Sweet Fly Paper of Life, an amazing book. And you can see jazz encoded into the way that book is put together, the way the images work, especially De Caraba's book, The Sound I Saw, and obviously Langston Hughes, one of the Harlem Renaissance poets. So for me, it's like looking at that as a cue, and then thinking of what the sound of my generation is, which is not jazz. You know, I don't know what it's like in France, but in the UK, it's you very rarely see a black face in a jazz audience these days. So the sound of my generation is hip hop. Specifically for me, I would say the sound of what the Soulquarians were doing at the turn of the century, around the year 2000, there's a group of artists called the Soulquarians, Questlove, some of our most amazing musicians in America, and you have James Poyser, and specifically Jay Dilla, and you have this amazing conversation between Jay Dilla and those incredible musicians. Questlove, who's one of the best drummers going right now, D'Angelo, who's an amazing pianist and singer. And what Dilla was doing is sampling jazz and sampling musicians, but because he was putting it through an MPC, putting it through a machine, the beats would be slightly off. And then D'Angelo and all these musicians are listening back to this failure in the music, and they're trying to recreate it with live instruments. And so for me, that kind of slightly off-kilter idea is something that underpins my practice. Cédric. Je pense que je pourrais citer tout un tas d'artistes qui m'intéressent et qui m'inspirent beaucoup, mais je dirais que ce qui précède réellement mes images, c'est la musique qui a habité mon enfance. Cette musique... pardon. Je dirais que c'est la musique qui a habité mon enfance, en fait, cette musique qui évoquait la Caraïbe intime, l'île tant aimée par mon père, qui était cette musique qui permettait de recréer une forme de chez-soi ailleurs. En fait, pour moi, en tant que jeune femme de la deuxième génération, née en banlieue parisienne, cette musique, elle évoquait surtout le manque. Le manque du lointain, le manque de ce qui nous ressemble, le manque de ce qui nous permet de nous définir comme nos parents le font, et le manque de ce qui sonne comme nous, entre guillemets. Et je pense que ce qui précède réellement mes images, c'est comme une espèce de manque ou d'absence de musique que la photographie chercherait à combler, en fait. Mohamed ? Je peux répéter la question ? Oui, quels sont les sons qui précèdent tes images? Quels sont les sons que tu écoutais quand tu faisais périphérique? Quelles étaient la bande originale, en fait, de ta pensée quand tu travaillais sur périphérique? Allô? Ah, oui. En fait, moi, c'est simple. À la période de périphérie, c'était beaucoup du rap que j'écoutais énormément. Donc voilà, ça passe par des groupes classiques. En fait, moi, j'ai grandi avec le rap américain et le rap français. Donc, j'ai beaucoup grandi avec alors des groupes connus comme, je pense à M.O.P., je pense à EPMD, Trip Cali Quest. En fait, il y a plein de groupes comme ça auxquels je pourrais penser. Et après, effectivement, du côté français, à cette époque-là, effectivement, il y avait des rappeurs comme Arsenic, Booba, enfin... Je peux vous en citer des types. Il y avait les Sectora qui à l'époque était un collectif de Sarcelles hyper important. Voilà, après, elles sont effectivement reliées aux images. Et c'est surtout, en fait, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai commencé avec un groupe, alors qui est très peu connu ici, qui était Ghetto Fabulous Gang, qui est un groupe, en fait, de Clignancourt. Et ce groupe-là, c'est un peu un groupe mythique, et c'est surtout eux qui ont commencé... à faire vraiment du rap indépendant. Donc c'était aussi un peu comme... C'était vraiment l'époque du rap indépendant à Clignancourt où ils faisaient du rap. Et souvent, moi, je faisais aussi des pochettes d'albums.
Donc c'est vrai que mon rapport à l'image, il est lié aussi aux pochettes d'albums où effectivement ça crée tout un univers et aussi j'en ai fait. Donc effectivement il y a tout un rapport à l'image qui est lié aussi aux pochettes de disques. Voilà. Merci. Johnny, le terme afropéen, il te vient de la musique et de Zap Mama. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta découverte de ce terme et ses liens avec la musique? Yeah, I mean, I grew up. I don't know if anybody here has seen a film called The Full Monty. and I grew up in that specific part of Sheffield. For those who haven't seen The Full Monty, it's looking at an industrial city after free market economics, after Margaret Thatcher in the 80s destroyed the city. And so the city just became a kind of carcass of industry, post-industrial city, trying to redefine itself. And I felt sort of a little bit adrift. My father's African American. I'm a Northern Soul baby. So, I mean, this is another story, but there's this strange music called Northern Soul, which is kind of a phenomenon where you have a lot of white working class English people in the North working in the mines or working in the pits or the cutlery works. And then at the weekend, dancing to this African American music, this soul and funk music. So my dad came over with his band, and that's how my mom and dad met. But I felt sort of in between. I knew I wasn't American, you know, and yet I didn't feel fully connected to where I was growing up. And then suddenly this term Afropean emerges, and it was a way for me to not only look at where I was brought up, but a wider continent and a way of looking at where I grew up as kind of home, and to know that there were many other people who were playing in the kind of post-industrial and post-colonial blur. Mm. And so for me, Afropean is this word that is whole and unhyphenated and connects these two traditions that I feel both of and not of. And so, I mean, if I was a good enough musician, I probably wouldn't have written a book or made images, because for me, you know, in Zap Mama's music, she doesn't even have to say anything. You can hear the fusion. And that's what's great about music. And so that's what Afropean suggested for me, is a real way of looking at the continent with new eyes. Mohamed, un peu plus tôt, tu as mentionné pour nous le rap, mais je pense aussi à la culture hip-hop que vous partagez avec Johnny, et notamment à ta découverte du bouquin de Jamel Shabazz, Back in the Days. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de comment tu découvres ce bouquin et qu'est-ce qui t'inspire à ce moment-là, et notamment le lien avec la culture hip-hop et la représentation de la culture hip-hop à ce moment-là? On peut montrer des photos peut-être du livre. Ouais. Après, c'est un livre très connu, Back in the Day. À l'époque, moi, je faisais pas de photographie, donc c'est en 2003. Et en 2003, en fait, avec mon ami Anna Schutt, on découvre ce livre et on a un choc à la fois visuel et aussi d'être pour une fois représenté. Donc c'est vrai qu'il y avait toute une culture, en fait, à la fois hip-hop, mais aussi de banlieue parisienne, en fait, et surtout à Châtelet, où il y a plein de gens qui venaient là-bas. Et Châtelet, c'était un peu l'épicentre, en fait, où tout le monde squattait. Et on s'est dit qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose où tu n'as pas d'image qui représentait ou qui traçait, au moins qui laissait une trace de toute cette génération et toute cette époque. Et à l'époque, enfin, bref, d'une manière un peu très simple, je vais expliquer, c'est qu'en fait, il y avait toute une culture autour du Lacoste. Alors, Lacoste, c'est encore une autre histoire, c'est hyper intéressant si on a l'occasion d'en parler. Où il y avait toute une manière de s'habiller, des codes de s'habiller. Et c'est vrai que la photographie, comme on la voyait, c'était vraiment une photographie un peu sociale, un peu misérabiliste, avec un regard un peu paternaliste, je trouve, sur la banlieue. Et en fait, c'était un peu relou. Et c'est vrai que quand je découvre ce travail, bah, en fait, moi, je reçois le choc de me dire, bah, en fait, c'est juste, ils les représentent tels qu'ils sont, avec leur code, leur style, avec une sorte de fierté aussi dans les images, que je trouvais super belle. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, il faut faire ça aussi ici à Paris. Et on a commencé à travailler pendant à peu près deux ans, je pense, sur cette série à Châtelet, et que j'ai appelée Nous sommes Halles. Voilà, c'est comme ça qu'est née cette série Nous sommes Halles. Merci Mohamed. Cédrine, toi, quand on discute, tu mentionnes le reggaeton italien et le dancehall jamaïcain qui peuplent de manière silencieuse le paysage musical de la série Insular.
Est-ce que tu peux me dire comment ces musiques-là vont te guider presque littéralement vers ton sujet? C'est intéressant. Ouais. Du coup, Insular, c'est un travail photographique où je me suis intéressée à une communauté africaine qui est en train de se créer sur l'île méditerranéenne de Malte, donc du fait des migrations assez récentes sur la route méditerranéenne centrale, et comment, en fait, il y a une espèce de diaspora en cours de création. Ce qui est hyper intéressant, finalement, c'est ce que ont vécu un peu nos parents à l'époque, de manière renouvelée, avec des problématiques contemporaines. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé dans leur trajectoire un peu les mêmes choses que j'avais déjà trouvées dans la trajectoire de mon père. Donc cette idée un peu d'une musique qu'on vient habiter comme une forme de chez-soi, et cette recherche d'un lieu où on peut être soi-même, et la façon dont la musique est liée à cet espace. Donc du coup, finalement, les musiques que ces jeunes, que je photographie, investissent, c'est des musiques qui dénotent aussi la diversité de leur trajectoire géographique, et aussi en même temps tous les échanges et la communication culturelle qui a pu se faire entre le continent africain et les diasporas en Europe ou dans les Amériques. Et du coup, on a une forme de collision du dancehall jamaïcain, du reggae gambien, du reggaeton italien, que beaucoup ont connu dans les centres d'accueil où ils sont arrivés au départ en Italie. Il y a cette obligation d'apprendre la langue. La musique, c'est aussi un des moyens par lesquels on se met en contact et on apprend un peu plus facilement une langue. Il y a un lien très fort qui unit la communauté gambienne à la musique jamaïcaine, du fait d'un peu l'industrie musicale qui se partage entre ces deux pays. Beaucoup de producteurs de musique jamaïcaine vont produire des sons en Gambie. Beaucoup de producteurs gambiens produisent du reggae. Beaucoup d'artistes et chanteurs gambiens chantent en créole jamaïcain. Donc il y a un peu toutes ces connexions, en fait, qui se sont établies, on va dire, entre trois espaces qui sont un peu cet espace insulaire de Malte, l'Europe, l'Afrique et la Caraïbe. Et pour moi, c'était aussi une manière d'entrer finalement dans leur quotidien et une manière de connecter, on va dire, à travers la musique. Merci. Je voulais vous proposer de regarder cette citation ensemble dans une récente publication de l'exposition But Still It Turns. Il y a l'artiste, cinéaste, écrivain Ramel Ross qui écrit, et je me permets de traduire ce qu'il écrit, utilise la musique comme mentor. Ce que fait la musique, l'univers l'est, incarne cette musicalité, son être, ses formes, son organisation liquide, sa fuite de la raison et du besoin de se justifier, ou soit la danse. Je voulais vous demander un peu des réactions par rapport à cette citation qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui je trouve, incarne un peu notre discussion d'aujourd'hui, cette musique comme mentor. Cédrine, je te redonne la parole. Moi, j'avais envie de répondre à cette citation par une autre citation. Ah, on a une bonne élève. J'ai fait la bonne élève, que je trouvais assez intéressante, d'Edouard Glissant, qui me guide beaucoup à travers mon travail. Juste que je la retrouve, j'ai trop de papier. Ouais, c'est là. Je vais la trouver. Ouais, c'est un petit poème très court de ce livre, La Cohée du Lamantin, qui parle justement de toutes ces interconnexions entre l'endroit où l'on se trouve et finalement de système monde, et donc qui est assez pertinent pour penser la diaspora. Et il dit « La pensée du tremblement éclate partout, avec les musiques et les formes enfantées par les peuples. Elle nous préserve de la pensée de système et des systèmes de pensée. Elle ne porte pas les stigmates de la peur ou de l'irrésolu. Elle s'étend. Elle nous réunit dans l'absolue diversité. » Comme un tourbillon de rencontres. Elle est l'utopie qui jamais ne s'arrête et qui ouvre demain comme un fruit partagé. C'est magnifique. C'est trop beau. Et je crois que l'absolue diversité, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est parfait. Il y a dans cette idée de pensée du tremblement, je trouve quelque chose de ce qu'essaie de saisir Ramel Ross dans cette citation, comme une manière de s'exprimer et d'être touché qui dépasse une forme de rationalité. De rationalité des pensées de système. Johnny, Mohamed, vous voulez réagir ou vous passez? There's a quote that I have from
from Paul Gilroy in my essay, so maybe I'll respond with a quote as well. Well, not a quote exactly, but he's got this notion of black vernacular culture, and he talks about like a James Brown yell when James Brown is shouting, "Get up," or shouting, you know, that's so powerful because it's an expression of the inexpressible. There is, in that yell, there is the suffering of you know, millions of black people and the pain that expresses more eloquently than any essay can. And I think that's the beauty of sound and music, is it can you know, escape from reason and the need to justify itself, literally, you know. I think music plays in pure feeling, and I try to do that with my photography, actually. I think you know, I'm working on a book now documenting black British communities along the coast. And sometimes I'm finding a black experience in a sign or in something very banal where there are no people in it, but trying to deal with abstraction and not trying to over-explain, but just deal with feelings. And I think music does that so beautifully. It's an ancient form of communication. Mohamed, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, ça va, merci. Ok. Johnny, j'aimerais bien revenir vers toi. Et je sais que tu te débats pas mal avec la notion de musique du monde et ses traductions sur la matérialité, la texture de tes images. Tu l'as un petit peu mentionné là, il y a quelques secondes. Et je sais que dans tes images, tu cherches une esthétique qui serait l'esthétique du B-side. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, notamment par rapport aussi à la revue? Yeah, I think the work that you'll see on the screen is my early work. So this, it probably doesn't represent what I'm saying as well as it could, but there's still something there. But for me, I feel like you know, there is a tradition that emerges, like, quite literally from colonialism. You know, if you look at what Cartier-Bresson was doing, when, I know he didn't coin the term the decisive moment, but he put that sort of, that whole idea of hunting for an image together while he was shooting wild game in West Africa. You know, that's the most colonial origin you could think of. And trying to pinpoint everything and make it tight And you know, we all go through, I think, when we're starting out with photography, go through that kind of tradition, and then you start to try and think of a way of disrupting that a little bit. So for me, the B-side is something that is less what you'd find in these official photographic spaces and street photography, and more what you might find in kind of vernacular photography, you know. I mean, I love the work of Liz Johnson Arter, because for me, she's managed to, I think it's the most important intervention in photography, maybe since like Eggleston, you know. Wow. Like, yeah, okay. I think like what Liz Johnson Arter is doing is incredible, because she's balancing a real professional photography, you know, that's not easy to do over and over again, what she's doing, but it has a feeling of a family album. There are all these mistakes, strange composition. She uses a Yashica T4 camera, which is actually what Terry Richardson, who maybe we shouldn't name you, used to use. So, you know, that kind of harsh flashlight. And so, like, so for me, the B-side really plays with, I was speaking to a friend and he said, you know, the problem with street photography is it's not very street. And actually, I think that, like, what the B-side represents is a photographic tradition from the street up, and not sort of wealthy people exploring exotic spaces and documenting it. I think these exotic spaces are now speaking for themselves, and that to me is what the B-side is. And it comes with a slightly different view. So I'm going on now, but it's not easy. Mohamed, quand tu réalises les tableaux de périphériques, tu les imagines comme des images manquantes, et en quelque sorte, tu samples des tableaux d'histoire. Mm-hmm. Et puis en plus, tu suis comme ça un protocole photographique assez précis,
où tu écris quelque part une partition avant de jouer ces morceaux d'histoire contemporaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus derrière le processus des tableaux de la série Périphérique? C'est un long process, quoi, en fait. Ça, c'est pas la série, ça, c'est Nous sommes Hall. Ok. Bah, j'ai envie de faire une citation aussi, mais... Allez. Faire une citation de Booba, par contre. Ça. Ah, super. En fait, j'aime bien. Je l'ai mis sur mon Instagram hier. C'était quoi? C'était « Je suis tellement loin que le futur est derrière moi ». Je trouve cette phrase trop belle. Et souvent, on catégorise ça comme des phrases un peu de mec, un peu sans vraiment de subtilité. Et je trouve qu'en fait, c'est juste que... Ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, on traite des... Enfin, moi, je peux parler de la photo, hein, y a pas de problème. Hein. Mais c'est marrant parce que en fait c'est des choses qui existent depuis tellement longtemps, qui sont très sous-jacentes et aujourd'hui on les rend visibles. En gros ces questions-là elles sont très présentes dans nos sociétés, mais sauf que maintenant c'est on stage quoi. C'est comme si c'était devenu un peu un truc fashionable quoi. Mais bon, je vais rentrer dans le truc directement. J'y vais. Enfin bref, la photo périphérie, enfin cette photo-là principalement s'appelle La République et je pense que je l'ai faite en 2006. Et c'est vrai que c'est dans l'état d'esprit dans lequel moi j'étais, c'est-à-dire à 28 ans dans la situation, parce que je pense qu'en fait ce qui est intéressant c'est toujours de regarder dans la période où elles ont été faites. Quoi. Et cette image, pour moi, elle était assez importante parce qu'on décrivait à l'époque les émeutes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait elle s'appelle La République et il y a marqué Périphérique dessus. Mais elle s'appelle La République, normalement. Hein. Donc, notez pas le titre qu'il y a dessus. Quand je l'ai fait à ce moment-là, je pense qu'il y avait d'une manière sémantique, c'est plutôt ça, moi, qui m'a poussé à faire cette image. Alors, pour le coup, c'est à la fois les images, mais c'est aussi les mots. Et moi, je le relis aussi au rap, parce qu'en fait, le rap, souvent... Et en fait, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que bizarrement, c'est que si on prend le truc à l'envers, les rappeurs, en fait, ils créent des images. C'est-à-dire qu'ils créent du texte et ils créent des images, en fait. Et souvent, on demande si la photographie, elle est un complément, mais en fait, les rappeurs eux-mêmes créent des images. Et nous, en fait, on a un langage, qui est le langage photographique. Et je pense que, en fait, il y a un parallèle qui se fait entre l'idée du mot émeute et du mot révolte. Moi, vraiment, c'était vraiment cette idée-là, en fait, quand je fais cette photo-là. Et parce que je suis convaincu qu'au moment où ça se passait, souvent, les images qui étaient représentées, et donc évidemment les commentaires qui étaient liés, ils étaient uniquement traités d'une manière où c'était des émeutes. On a parlé d'émeutes. Donc ça retire complètement la notion de raison dans ce truc. Et donc quand je fais cette image-là et que je la compose, j'essaye de réfléchir à une sorte de mise en scène qui met en abîme une situation qui se sont passée, c'est-à-dire les deux personnes qui étaient mortes, Ziad Bouna, donc on voit vers à l'extérieur, et toute une scène qui se passe avec un drapeau qui est ce qui n'est pas visible en fait. Ce qui est invisible de l'image médiatique. Voilà. Donc, voilà. Et c'est marrant parce que celle-ci, elle était. Enfin, marrant, pas du tout, mais elle était faite à Clichy-sous-Bois. Et c'est drôle parce qu'on parle du rap, mais ce sont grâce à des amis de Ghetto Fabulous Gang que j'ai fait cette image-là. On voit Sean de Holocaust, qui faisait partie du groupe Ghetto Fabulous Gang. Et voilà. Donc, elle a toute une histoire un peu particulière pour moi, où elle représente un tableau, évidemment. La liberté dans le peuple de la Croix. Voilà, et elle interprète cette image-là et réactualise cette idée même d'intégration d'une histoire, peut-être personnelle, une histoire de l'immigration, dans une histoire de l'art plus large. Quoi. Voilà. Et désolée, tu as gardé le micro. Tu vas faire des fausses images de presse et à un moment donné, tu vas aussi être assez... amusé par les faux Lacoste aussi qui existent. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous raconter l'anecdote de Arsenic et la Mardia sur leur pochette d'album que tu as mentionné tout à l'heure? Ah, je le fais maintenant? Oui. D'accord. Alors, merci Mohamed. Oui, mais il faut montrer une photo de Nous sommes Hall. Typiquement celle-ci, là. Le jeune homme qui est à... En bleu. À votre gauche. En fait, c'est et voilà, typique des années 95, 97, jusqu'à 2003, 2004, 2005. Et aujourd'hui, bon, il y en a encore qui en portent et c'est revenu un peu à la mode. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que c'est Lacoste qui a repris
si vous voulez, tout le street wear pour leur propre communication aujourd'hui, dans leur publicité, dans leur advertising. Donc c'est assez drôle en fait, parce qu'à l'époque, dans les journaux et même à la télé, ceux qui étaient les directeurs de Lacoste ne voulaient pas du tout reconnaître les gens qui, eux, s'habillaient en Lacoste, et surtout quand c'était des gens qui venaient de banlieue et qui étaient liés à la seconde et troisième génération en banlieue parisienne, souvent venant d'Afrique. Et ça, effectivement, c'était tout. Il y a toute une culture du Lacoste, parce qu'effectivement, c'était une marque chère qui représentait un peu des symboles de richesse. Et il y a toute, à l'époque, c'était vraiment la mode que ces marques-là, enfin que ces jeunes portent cette marque-là. Il y avait un autre groupe de rap qui s'appelle Arsenic, qui a été un peu un pilier dans la musique en France de la nouvelle école. Alors voilà, si on parle de musique vraiment, parce que c'est, je pense que c'est le thème, c'est qu'en fait il y a la vieille, il y a l'ancienne école, la old school, et il y a la new school. Il y a une vraie séparation entre ce moment-là, avec deux albums, L432 et un autre album qui s'appelle le Time Bomb. Un des groupes mythiques, ça a été un des groupes lunatiques, et un autre groupe mythique de cette époque-là, ça a été Arsenic. Arsenic, en fait, portait ses vêtements Lacoste pour leur pochette d'album. Évidemment, au vu de comment la marque et les traitait et les rejetait dans ce qu'ils représentaient, parce qu'ils étaient noirs, Lacoste, à un moment donné, le groupe Arsenic a décidé en fait de prendre une autre marque, qui a été d'un entrepreneur qui s'appelait Dia, qui aujourd'hui a vendu sa marque à la NBA. Et leur première pochette d'album, ils étaient assis avec des Lacoste, avec un crocodile. Et dans leur second album, ils se sont positionnés exactement de la même position. Et ils étaient habillés avec la marque Dia. Donc c'est assez drôle, en fait, les relations musique, rap, industrie, économie très mainstream, ce qui devient vendable ou pas aujourd'hui. Et je tiens à citer un photographe, et pour le coup je le connais pas, il me connaît pas, c'est Fifou, qui a été un grand photographe de toute la culture hip-hop, qui continue encore. Voilà. Merci Mohamed. Cédrine, j'aimerais me tourner vers toi et te demander un peu de nous en parler un peu plus sur cette histoire des musiques qui vont venir s'hybrider, évoluer, muter au fil des parcours migratoires des personnes que tu rencontres à Malte. Est-ce que tu pourrais nous parler comme ça de cette superposition entre le sujet que tu tentes de décrire et cette musique qui glane des sons sur son chemin ? Oui. Je pense que ce qui est intéressant quand on travaille sur une communauté, c'est qu'on cherche des endroits qui ne sont pas des endroits de passage, mais des endroits de rencontre. Des endroits qu'on va investir, qu'on va habiter, et on va pouvoir aussi se sentir soi-même. Et ce qui a été intéressant dans le travail insular, c'est que on est sur une île, donc un endroit hyper petit, et il y a un seul endroit sur l'île dédié à la musique jamaïcaine, un type de reggae bar au bord de la mer, qui n'était pas hyper fancy ni investi, et qui est l'endroit, finalement, un endroit qui a été approprié, littéralement. Pour ceux qui ont vu la série Small Axes de Steve McQueen, c'est assez intéressant le parallèle avec le Mangrove, ce bar de Londres dans les années 60, qui est devenu un peu une espèce de cœur névralgique de la communauté caribéenne. Il y a un effet mangrove un peu à Malte avec ce Tafraben, où ce qui est assez fascinant, c'est cette espèce de besoin de s'approprier un lieu dans un espace qui est un espace où il n'y a pas eu d'histoire d'immigration, il n'y a pas eu avant, on va dire, les années 2000, de migration de population africaine. C'était une colonie britannique. Donc finalement, ça reste un espace très blanc. Et du coup, de trouver un espace, donc là, c'était un lieu dédié à la musique jamaïcaine, qui va permettre de parler à... qui va parler à notre identité diasporique, même si, voilà, c'est pas forcément des Caribéens, mais cet espace va être investi comme un lieu où notre identité afrodescendante, africaine, noire, peut exister... sans être nié, sans être mis en danger, un espace qu'on peut s'approprier comme un lieu qui va être une nouvelle forme de chez soi, en fait.
Et j'ai oublié la question à la base. Il n'y a pas de souci. Bon, en fait, tu as répondu. Non, mais du coup, voilà. Et du coup, c'est dans cet endroit que vient s'hybrider un peu. Donc voilà, il y a la playlist un peu basique de reggae qu'on aime bien des années 70. Et puis après, il y a des gars qui viennent et qui amènent leur propre son. Et ce son, il parle de leur trajectoire. Donc voilà, énormément de mixtapes qui circulent. Donc c'est des mixtapes qui circulent via WhatsApp, à travers des groupes dédiés à la musique au sein même de la diaspora, donc des DJs eux-mêmes expatriés, des DJs migrants gambiens basés en Allemagne, qui vont produire des mixtapes, qui vont arriver en Italie et puis à Malte. Et en fait, il y a une espèce de circulation de la musique comme ça au sein de la diaspora, ouais. Et qui elle-même s'hybride dans des formes un peu playlists. Du coup, on va avoir ces mixtapes qui mélangent de l'afrobeat nigérian avec du reggae gambien, avec de la dancehall jamaïcaine, avec des artistes comme Baby K, genre reggaeton italien. Des musiques elles-mêmes imprégnées par ces beats, en fait, de musique africaine à la base, hein, qui sont réappropriées aussi par des artistes blancs en Europe. Et qui vont parler aussi, voilà, à travers la langue, à travers ce qu'on a traversé, en fait, comme espace géographique. Donc, plein de fragments différents de nos identités. Merci. Johnny, j'ai envie du coup de t'inviter à répondre à cette notion et l'utilisation de la mixtape, qui est aussi un objet, un concept, une idée que tu mobilises souvent et que, dont tu parles souvent quand tu parles de tes références et de ton travail, la mixtape. Yeah, well, I like the fact that mixtapes, very often, or they used to be very DIY, you know. Mm-hmm. The mixtapes I used to get from, like, the pirate radio stations, you'd have, like, a song that would, you'd stop it too late, so another song, the beginning of another song would just start, and then it'd cut out, and you'd have, you know, so all these little cracks within the mixtape. But also, I'm interested in the mixtape, or in putting things together that sometimes, in a way that is counterintuitive. I remember seeing Questlove DJ after D'Angelo gig, to bring up the Soulquarians again, and he played like two like amazing hip hop tracks that are very like, you know, like standardly, you know, good. Let's say Biggie and M.O.P. All right, but in between these two tracks, he played Britney Spears' Toxic, and suddenly, sandwiched in between these two tracks by Questlove, because he knew what he was doing, it reappropriated. It was like a reverse cultural appropriation, you know, where it reappropriated this Britney Spears track, which suddenly I heard with new ears. So I love when you put things together that, like in my Caribbean barbershop, there's a Jamaican guy who goes in there and he's respected by everybody, but every time we go in, he's always listening to Celine Dion, you know? And I love this this counterintuitive element. And to him, Celine Dion is something different. There's something very different listening in this context to that artist. And I like that a lot. So I think mixtapes play to that, you know, this juxtaposition. Mohamed, toi aussi, tu as joué avec les mixtapes, notamment au Liban. Ah ouais. Les mixtapes, ouais, plutôt des compilations. En fait, je parle du projet Sidi Koubi. Si tu veux. Ouais. Disons que c'est vraiment la musique dans mon travail. Aujourd'hui, je fais des pièces sonores. Donc, c'est vrai que le son et la musique, c'est quelque chose que je suis vraiment en train d'expérimenter, de travailler avec. Et en fait, en 2017, j'étais invité à la Biennale de Sharjah à Beyrouth. Et j'ai fait un projet je m'étais baladé dans un marché et je me suis rendu compte à quel point la musique était présente dans ce marché, et surtout à la fin du marché. Et donc, il y a beaucoup de vendeurs de CD pirates partout un peu. Ça se faisait beaucoup en 2006-2007 à Clignancourt. Donc, il y avait tous ces vendeurs de CD, de cassettes ou bien de compilations piratées et gravées. Et donc à Beyrouth, c'est très présent. Et souvent, les taxis achètent des CD pour pouvoir les mettre dans leur voiture. Et donc, ça se vend énormément sur la place du marché. Et donc, ça m'a vachement intéressé et surtout beaucoup marqué. Et donc, j'ai fait tout un projet de musique à la fois expérimentale et de musique arabe, en faisant une compilation et de créer l'espace d'exposition comme un espace de production de compilation de musique.
Et donc après, ces compilations qu'on avait produites, on les réinjectait au sein du marché. Donc, et il y avait tout un travail entre la musique expérimentale. Donc je pense à Sherif Sahnaoui, qui est un musicien de musique expérimentale à Beyrouth, et aussi au Koulsoum, toute cette musique orientale très, 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 très présente. Et donc on a fait des sortes de compilations entre musique traditionnelle arabe et aussi de musique plus expérimentale. Voilà. Merci. Je vois le temps avancer. J'ai envie de me tourner vers vous et de vous demander si vous avez des questions pour notre panel et vous donner la parole et la possibilité d'échanger avec eux. Et peut-être que je peux vous laisser 2 minutes pour y penser et puis je vais vous mettre un autre exercice à mes 3 panélistes. Et je voulais vous parler d'une citation que j'aime beaucoup, d'une autrice que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Tina Kempt, dans son ouvrage qui s'appelle « Listening to Images ». Et donc je me permets de traduire encore une fois son texte, où elle écrit « Le choix d'écouter plutôt que de simplement regarder les images est une décision consciente pour remettre en question l'équation entre vision et connaissance en engageant la photographie à travers un registre sensoriel essentiel aux formulations culturelles de l'Atlantique noire, le son. » Et je voulais du coup un peu réagir avec vous sur l'idée de la manière dont on peut écouter des images. Et je sais pas, l'idée du flow en rap, Mohamed, ou l'idée d'une sorte de vibe pour toi, Johnny, ou encore, Cédrine, on avait parlé toutes les deux l'idée du silence et de comment on entend le silence aussi. Cédrine, je suis désolée, je vais te demander de commencer encore. Non, mais après avoir réfléchi justement pour préparer un peu cette conversation, je trouve que ce qu'il y a d'assez présent dans la série Insular, et même je pense dans mon travail en général, c'est cette présence de l'océan en fait, et qui viendrait comme infuser de manière pas presque silencieuse les images, la présence. Alors, elle n'est pas forcément visible, c'est une genre de présence-absence, mais en fait cette espèce de froideur, de bleu, d'état aqueux, qui en fait, voilà, comme une espèce de sonorité pour le travail en général, et même une espèce de musique intérieure presque aussi dans cette idée aussi d'ouverture sur un ailleurs en fait. Je pense que ces images, elles s'ancrent toujours un peu, dans cette espèce de dialogue entre un espace présent et un espace absent, un lieu, un ici et un ailleurs. Une histoire qui se trouve en fait entre deux continents et qui est traversée, des identités qui sont traversées en fait par la mer. Et ça, c'est quelque chose qui infuse, je pense, silencieusement et assez présent dans mon travail. Merci. Johnny ? Would you like to react? Yeah, I mean, I think that was really beautiful, that notion of something that is there and not there in an image. And I think I get that by slowing down a little bit. You know, I think I used to take an image and think, right, I got it. You know, and now. Would you mind putting your mic? Oh okay. Yeah, is that okay? Yeah. And now I spend a lot more time with the images, and I like images that don't necessarily resolve. So I think, like, say you have jazz music, and what's interesting about jazz is it never leaves you in a comfortable place. It will end on something strange. It's not just like a nice resolving note at the end. And I think that when you're dealing with like sort of geometry and things like that, they're the crowd pleasers. But actually, if I'm going to try and listen to my images, I'm trying to listen for something that doesn't resolve, a bit of ambivalence or something that isn't too neat. Because I don't think that photography now can be said to be an accurate form of documentation. We can't look to photographs for a truth. You know, you can't believe a photograph. So I think the kind of truth that we need to get across is the truth of feeling, the truth of emotion, not what is literally being documented. And I think that's how I try and listen to the images, try and think of something that is a little bit complicated and incomplete in a way. Mohamed, est-ce que tu aimerais réagir sur l'idée de d'écouter les images? Moi, je serais plutôt de manière basique. Je dirais que effectivement, il a parlé de géométrie, et souvent dans cette série Périphérie, pour moi, la géométrie ou la tension ou la mise en image d'une tension est jouée sur ses formes, sur son rythme.
Donc voilà, il y a un parallèle qui peut se faire dans la proposition, mais juste, je regardais, enfin, juste une phrase de d'Arsenic, parce que comme je vous ai parlé de ça, je me suis dit que ça serait bien que je cite peut-être une phrase ou deux d'un texte qu'ils avaient écrit, un des premiers textes hyper connus d'un texte, c'était Je boxe avec les mots. Déjà le titre, il en dit beaucoup sur les images. Et si je reprends juste de la misère en prose, puis exploser pour la bonne cause, la paix gît sous une bâche, à qui profite la guerre, la PJ censure un rap moins violent que Schwarzenegger, entache mon business, plus je cache la vérité. Moi, je trouve qu'une phrase comme la paix qui gît sous une bâche, bah pour moi déjà, là on est dans l'ordre de l'image déjà. Donc en fait, pour moi la relation elle est toujours permanente entre le son, le texte, l'image. C'est des choses qui fonctionnent ensemble et en fait, à la limite c'est quelque chose qui se fait naturellement. Il parlait du jazz, je pense qu'il y a effectivement ce truc là avec la musique aussi où en fait ça va se faire d'une manière intuitive. C'est pas quelque chose qu'on va commencer à conceptualiser tout de suite et à vouloir mettre des mots dessus. Je pense que c'est quelque chose qui se vit au moment où on le fait, où à un moment donné tu vois quelque chose et puis une image tu la perçois, tu la ressens et donc tu la mets, tu la cadres dans ton espace du cadre. Mais voilà, et comme la musique, il y a ce truc là de va-et-vient constamment et c'est plus poreux. En tout cas moi j'ai l'impression le rapport entre la musique, les mots, ça revient constamment, mais c'est pas obligatoirement complètement intellectualisé pour moi. Voilà. Merci Mohamed. Je me retourne vers vous si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Oui, madame. Merci. Tout à l'heure, Johnny Pitts a parlé d'une photographe. Il a parlé d'image. You talked about somebody, a photographer. Yes. But I didn't get the name. Her book's really hard to get hold of now, but there are some Liz pictures. Johnson Arthur. Yeah, there are some. Ah bon, d'accord, merci. So it's, et d'autre part, Liz Johnson Arthur. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. And d'autre part, en ce qui concerne Mohamed, dans la série Léal. Voilà. Bon. Et là, je vois une différence entre les premières photos sur les Halles et la photo en particulier La République, dont vous disiez est-ce qu'elle est mise en scène? Non, tout est mis en scène dans Périphérique. Ah, tout est mis en scène. Tout a été construit. En fait, c'est une série que j'ai faite pendant 3 ans et à chaque fois, ben, j'allais sur les lieux, je connaissais les gens et je mettais vachement de temps à décider de faire une image. Donc, tout est construit et mis en scène. Donc c'est pas de la documentation. Pas du tout, au contraire, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est-à-dire que c'est c'est de la composition vraiment, et c'est vraiment le propos de cette série. Ok, merci. Could you go flick back to my image, because there's a kind of strange parallel where this one. Yeah. This is in Clichy-sous-Bois too, in 2010. And this is not set up, but what's interesting, this is on the 5-year anniversary of the death of Buna and Zaid, you know, the two boys who were chased to their death. And these would have been their contemporaries. And this image was taken, there were all these journalists at the front, and the local mayor came out to give a speech. And he was only addressing the journalists. And these guys were stood behind, completely invisible. Because all that mattered was what the journalist wrote about what he said. And then all the journalists left and they remained invisible. And so I just wanted to take a picture to make this visible. But, yeah. Is that what you talked about in the book? So. Yes, yeah. Exactly. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, dans ces cas-là, je vais vous inviter à 2 choses. La première, la signature du numéro B-side sur le stand de D-Eyes. Johnny sera tout de suite après, si vous souhaitez qu'il le signe. Et la deuxième chose auquel je peux vous inviter, c'est la signature du nouveau livre de Mohamed Bourissa, Périphérique, que Mohamed va signer sur le stand de Loose Joints juste après notre conversation.
Je vous remercie pour votre attention. Je remercie les participants d'avoir été si généreux dans leurs réponses et d'avoir été patients avec mes commentaires. Et puis, merci à Paris Photo pour leur accueil. Merci à tous. Thank you, Thais. Thank you.